les amis, aujourd'hui on est de retour au parc Spirou, de retour parce que oui, on avait fait l'inauguration au mois de juin si vous vous souvenez. Et là on est venu voir la super vente en fait qu'ils font au mois de juillet et août. Il faut savoir que le parc est ouvert jusqu'à 21h maintenant, puis 18h30. Et on a possibilité de faire la demi-journée en fait de 4h à 21h pour ça. Alors on s'est dit bah tiens, on va venir à Spirou, voir un peu comment c'est en nocturne. Et puis voir comment ça évoluait, parce que je sais pas si vous vous souvenez les amis, la dernière fois on n'avait pas fait tous les manèges. Ouais, et il y en avait vraiment très peu, mais à force d'en faire et d'en refaire, et ben, on s'était éclaté. Oui, c'est vrai qu'on s'était vraiment éclaté. Donc là je pense qu'on va s'éclater encore plus, parce que cette fois on va pouvoir faire vraiment le dinosaure, faire Gaston Lagaffe, faire il y avait pas Jumper, Speed Jumper. Il n'y avait pas assez cotines, il n'y avait pas plein de choses, il n'y avait pas la boutique de Gaston Lagaffe, les restos n'étaient pas ouverts. Donc là, on vous ramène avec nous pour vous faire découvrir un petit peu plus de ce parc qui se trouve à côté de la maison, à côté d'Avignon en fait, à Monteux pour ceux qui veulent venir. Alors on y va, on est go ? Oui ! Allez, c'est parti les loulous ! C'est parti ! C'est parti ! Un petit Marchu ! Coucou Marchu ! Regardez, il fait coucou les abonnés, vous envoie des gros bisous les amis ! Oh. Il est trop beau. Et là, derrière, il y a sa copine qui arrive. Coucou. Oh, on a vraiment de la chance. On n'est même pas encore rentré dans le parc. On a déjà des amis. Oh, gros câlin, mon chéri. Il t'a piqué ta casquette. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est taquine. Oh oui. Oh là là. Elle est coquine, elle est coquine. Et c'est parti! On y va, let's go! Alors regardez les amis sur quoi on est tombé, sur une boutique qui n'existait pas, l'orchidée des Chaouta. Ou des Kaouta, je pense plutôt. Alors on rentre dedans. Et là. Oh, ce sont que des vêtements, ça c'est cool! Des tongs, regarde, pour l'été. Des petits marsupiaux. Oh, j'adore. Regarde, Corentin. Des pyjamas pour bébé. C'est trop beau. Je veux le même. Je veux le même. C'est un peu grand. Regarde. Ouais, mais ils sont trop beaux. Des peluches pour les bébés. Oh, c'est trop chouette, j'adore. C'est trop beau. Alors, est-ce qu'on va trouver quelque chose aussi? Je cherche une robe. T'as pas vu de robe? Mais moi j'ai trouvé les casquettes, regardez. Il y a plein de casquettes. Alors Corentin, vous savez pas, je sais pas, peut-être vous savez. Corentin est un collectionneur de casquettes. Alors là il y en a, mais il y en a ici aussi. Des roses pour les filles. Trop belles, ah j'adore. Il n'y a pas de robe à ta taille? Oh, peut-être qu'ils vont en recevoir. Ils vont en sortir, oui, de la vidie, mais pas encore, tu es trop pressée je crois. Et là on a plein de casquettes pour Sam, regarde. Ah, violet et rose, tes couleurs préférées. Elles sont trop belles. Regarde. C'est Catine ? Ouais. Ah non, moi j'ai celle-là, regarde, celle-là est vraiment très jolie. Celle-là avec la petite fleur. Enfin, il y en a plein, donc choisissez votre casquette et puis bon, on se retrouve juste après, d'accord ? Alors ça y est, Loulou, vous avez trouvé de quoi vous parer la tête et puis ben, Océane n'a pas acheté de casquette ? Non ! Oh, comment ça ? Ah, mais t'as acheté une peluche ! Ouais, elle est trop belle, elle a sorti à tes oreilles, dis donc. Waouh, trop mimi. Trop belle. Et Corentin, toi, tu as quoi sur la tête? On peut voir ta nouvelle casquette? Ouais. Ah, elle est trop marrante. C'est Marsu qui sent bah, le nez de Spip en fait. L'écureuil de... C'est l'écureuil de qui, Spip? De Spirou. De Spirou. Spip, pas Spip. Si, Spip, il s'appelle Spip. Alors là on va faire peut-être une attraction, on est à côté du en avant c'est Cotine qui est là-bas, donc on va aller le faire. Elle est là, il n'était pas ouvert la dernière fois, je vous rappelle les amis, donc là on va aller le faire et on installe la GoPro. Let's go. Oui, let's go. Let's go. Alors c'est parti pour en avant c'est Cotine. Alors c'est sur le thème du Mont Ventoux, là où il y a le Mont Ventoux, vous verrez après les copains. Maman, c'est parti. Tu t'en souviens quand t'as fini rentrer pas dans les attractions? C'est ça, il est rentré pas. Alors c'est parti. Alors apparemment c'est pour les enfants, hein. Olé. Alors là c'est le Mont Ventoux les amis. Olé.
conduis mal, ouais. Hein. Oh, c'est Cotine, tu conduis mal. Ah, comme des pruniers. Alors ? Ouais, trop bien. Très bien. Alors les loulous, comment était cette petite attraction en avance et Cotine ? Ah, trop bien, mais par contre ça secoue. En fait, ça secoue dans tous les sens, on s'y attendait pas du tout, on s'est dit ouais, c'est tranquillou, c'est pour les enfants. Et en fait, c'était trop bien, il fait trois fois le tour. Et franchement, c'est pour les petits, c'est quand même la sensation, hein. On l'avait pas testé la dernière fois. Et regardez les amis, là-haut, ils ont fait une reproduction du Mont Ventoux. C'est trop bien fait. Franchement, c'est trop bien fait. Alors, est-ce que vous voudrez la refaire après ? Oui ! Ouais, elle était trop bien. Même si c'était court, c'était bien. Papa aussi, ses pouces vers le haut ? J'ai perdu une seule. Alors, on fait celle-là. Alors maintenant, les amis, on va faire Rodeo Fantasio. Alors, c'est une petite voiture comme ça, mais qui est plutôt plus grosse là-bas. Qui tourne, qui tourne, qui tourne. Donc, on l'avait fait le jour de l'inauguration. Et j'avais pas pu filmer. Donc là, maintenant que j'ai la GoPro, ça va être super, je pense. C'est combien ? Ça fait plus peur à l'arrière. Ouais, allez, vas-y. À l'arrière. Vas-y, on peut y aller à 4 à l'arrière, non ? À l'arrière, ça fait plus peur. Hein. Il a dit ma maman. En arrière. Ouais, allez. C'est trop bien celui-là. Allez, maintenant on accélère, allez. Et non, là il va partir de l'autre côté. Là, il part de l'autre côté maintenant. Alors les loulous, ça décoiffe, hein? Moi non. Parce regardez, papa est en train de se recoiffer depuis tout à l'heure. Ça décoiffe vraiment. C'est le seul inconvénient, c'est qu'il décoiffe ce. Mais en fait, il va super vite. Moi, je trouve celui-là, c'est un de mes préférés. J'avais adoré la dernière fois. Super vite. Oh, bah quand même. Super hein. Vite. Il va quand même vite, hein. Oh non, non. On peut pas dire que ça va vite. Oh, bah moi, je trouve que ça va un peu vite quand même. Le train, il va beaucoup plus vite, hein. Ah, mais oui, mais le train, oui, forcément. Mais là, c'est pas mal. Franchement, ça donne une bonne sensation, en fait, on va dire. Il est sympa. Et toi, alors, on va au train. Encore plus de fois le gros train. Tu veux faire le grand train là-haut, là-bas? Oui. Allez, bah on y va alors. Parti pour le Wanted by Lucky Luke, qui est un des préférés d'Océane avec Corentin. Elle flippe la musique. Elle quoi? Elle flippe la musique. Elle te fait flipper la musique? Ah bon? Bon, ça c'est nouveau ça. Elle flippe la musique. Nouvelle expression Océane. Donc je recommence. Mais donc, j'ai vu, celui-là, il n'y a personne à celui-là, regarde. Ah oui, celui-là on le fera après alors. Il n'y a personne. Parce que celui-là, c'est celui qui fait le plus peur en fait. Ouais, ils sont pas courageux, les gens, n'importe quoi. Ici. Ouais, celui-ci tu l'adores aussi. Donc déjà on va faire le plus petit. Donc ce sont des wagons en fait sur le thème de Lucky Luke. Donc là on va rentrer par la prison. Elle est ici, la prison des Dalton. Et puis on vous retrouve dans l'attraction. Lève les mains moi. Allez, on lève les mains, allez. Oh, lève les mains. Voilà. Non, en fait je me tiens en fait. Regardez Océane. Wow!
Allez, c'est reparti. Elle l'adore et on a entendu papa crier quand même. Si vous entendez crier dans la vidéo, c'est papa qui fait ah oh là là, c'est papa, incorrigible. Alors je crois que ben, ça vous a bien plu. Oui, on continue avec un peu plus. Avec plus grand. Allez, c'est parti. Alors je sais pas si papa il va le faire. Ouais, oh, il va oui, le faire. Je sais pas. Allez, pour les abonnés. Mais Corentin il veut pas. Corentin il veut pas. Ah, la bonne excuse. Ça, je l'aurais fait. Non, j'aurais peut-être fait. Excuse. Mais. Non, on va voir. Peut-être fait. Non, il a dit déjà quand même, ça va un peu vite, je le fais pas. Oh, en fait. Parce que je trouve que là. Ouais, c'est pour ça que t'as crié. Mais non, mais je crie tout le temps, moi j'aime bien. C'est pas parce que j'ai peur que je crie n'importe quoi. L'excuse, dites-nous ce que vous en pensez, si c'est de la mauvaise foi ou pas dans les commentaires. Mais non, je crie parce que c'est rigolo, on crie dans les trucs comme ça. Et moi j'ai failli tomber. C'est rigolo, c'est pas que j'ai peur. Hein. Alors avec Océane, on va faire le Spirou Racing. Alors celui-ci, c'est le plus grand du parc. Voilà, elle a même pas peur. Et papa et Corentin, ils sont partis là-bas. Alors on les voit pas, ils sont partis ici. Voilà, boire un granita. Ah si, on les voit, ils sont là-bas, regardez. C'est les petits trouillards. Donc nous on y va, on n'a pas peur nous. Hein. Non, on n'a pas peur du tout. Hein. Regardez, elle est là la voiture. Je peux accompagner moi. C'est bon, tu fais la taille? Ouais, accompagner. Accompagner, allez, bon, on y va. Allez, c'est parti. Tu as mis les mains? Allez, on lève les mains. Allez. Allez. Océane. Allez, ça monte. Mets ta tête en arrière, ouais. Oh, on dort là. Comment c'était? Trop bien. Trop bien? Ouais. Franchement, moi j'ai adoré. Comme la première fois d'ailleurs, c'est une de mes attractions préférées. Toi aussi, je crois. Hein. Ouais. T'as même pas eu peur? Là, j'ai crié pour une fois, mais. Ouais, t'as crié un petit peu et t'as levé les bras. T'es une grosse courageuse, dis donc. Bon, là, on va rejoindre papa et Corentin qui sont en train de manger un granita. On va voir si nous aussi on en mange un aussi. Parce qu'il fait chaud, hein? Ouais. Allez, bon, bah on y va alors. Alors après le goûter, qu'est-ce qu'on se fait? Gaston Lagaffe version je sais pas combien de dés.
Alors un Gaston Lagaffe ici, alors il est ici, c'est... Je sais plus comment ça s'appelle, on verra le nom de l'attraction. Alors il est là, il est sur le côté, alors là c'est la sortie. Non, faut aller là-bas. Ouais, c'est Gaffe à Gaston, voilà, ça s'appelle. Donc là c'est un simulateur en fait, 3D, 4D, 5D, 6D. Je crois enfin, 6D. 6D. Enfin c'est à l'intérieur en fait, d'un... à l'intérieur de ça, voilà. Un simulateur. C'est un simulateur avec des lunettes 3D, on est dans un... dans une dans un voiture, taxi. Dans un taxi. Un vieux taxi, regardez. Et ben après on vit des aventures folles avec Gaston Lagaffe. Par contre, qu'est-ce que tu fais Océane? Ah, moi je suis bien. Ah, t'es heureuse. Ah, ça rafraîchit au moins. Océane est trempée, Océane elle est trempée. Ah, mais moi aussi. Ah. Alors les loulous, est-ce que c'était bien Gaston, gaffe à Gaston? Franchement, on fait vraiment garde de ne pas l'avoir dans notre famille. Faire attention de ne pas tomber dans le vide. En fait, c'était trop bien, franchement. C'était un simulateur 4D. Il était trop, trop bien. On était dans les bureaux, en fait, de Dupuis et tout. On allait, enfin, il y a plein d'aventures qui nous arrivent. Il a tout détruit. C'était trop, trop bien. Et ça fait même... alors, il y a tout. Ça nous jette de l'eau, il y a de l'air, il y a plein de trucs. C'est trop, trop bien. On s'y attend vraiment pas. Et puis, bah, désolé, les amis, j'ai pas pu filmer parce que déjà, le parc est très gentil de nous laisser filmer à l'intérieur, parce que normalement c'est pas autorisé sur les attractions, je dis bien sur les attractions, et bien sûr à l'intérieur c'est interdit parce que bah, c'est un film, donc, en plus il fait noir donc c'est pas très très intéressant, puis en plus c'est en 3D donc ça rendrait très très mal. Donc quand même merci à toute l'équipe de nous laisser filmer sur tous les manèges, ça c'est vraiment top, hein. Super, merci à vous. Ça, et c'est maintenant quoi, on continue ça avec quoi du coup? Les chaises volantes. Alors c'est le champignon de Champignac. Ah oui, c'est Aéro Champignac. Je sais pas si vous connaissez les amis, le comte de Champignac. En fait, je fais plein d'expériences avec les champignons. C'est un salon fou en fait. Ça va t'arroser, Catherine. Ça va m'arroser, ça va m'arroser. Ah oui, ça va m'arroser, oui. Alors, en fait, c'est un savant fou qui fait plein de potions magiques et tout. Il est là, voilà, le comte de Champignac. Il est ici, coucou. Voilà, vous voyez, il fait plein d'expériences. Ouais, puis là on va monter sur son champignon alors. Tu as pas peur Océane? Non. Ça y est, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Chaises volantes, j'ai eu bien peur, moi j'aime pas ça les chaises volantes qui allaient très très vite. On va faire le speed jumper. Alors le speed jumper c'est quoi? C'est un mélange de Lucky Luke et de Speed. En fait c'est le Johnny Jumper, le, bah, le cheval de Lucky le Luke. Le cheval de Lucky Luke avec Speed, le petit écureuil de Spirou. Qui est sur, à moitié sur sa tête. En fait il nous amène dans un petit parcours à dos d'un cheval, regardez, voilà, on voit le cheval partir. On va faire un petit parcours donc on vous amène toujours avec nous les loulous. Moi j'en ai jamais fait de ça. Ça t'a jamais fait de ça? Non, non. Ah bah ça on en fait des fois dans j'en d'autres connais pas, moi. Je mais ce ne sont pas les mêmes. Forcément ici on est chez Spirou. Ah non, ça va casser. Ah, ah. Ouais. Olé. Oh, oh, oh. Oh, oh. Il est là-bas, Corentin, regardez Corentin là-bas. Alors cette petite promenade à cheval était fort sympathique, non? Ouais, j'ai envie d'arroser. Oh bah, tu t'es fait arroser, t'as eu peur? On s'est fait arroser, je même... Non, j'ai pas eu peur, c'est juste que c'était froid en fait. Donc. Alors les amis, bien sûr, vous verrez sur les images, eh bien, qu'il manque de l'herbe. Mais c'est normal, le parc est tout neuf, il faut attendre que ça pousse. Mais je pense qu'à terme, ça va être super joli parce que... Franchement, les animaux qui y a autour, ils sont super sympas. Ouais. Et puis, bah, ça fait du bien comme petite attraction, moi, après les sensations. Moi, j'ai caressé Spit. Et toi, t'as caressé Spit? Moi, je le tenais par la queue. Bon, maintenant, on va faire quoi, alors, les loulous? Mesoic Island. Mesoic Island, alors ça, c'est encore un simulateur 3D, 4D, 5D, 6D, 12D. 6D. Je sais plus. Avec des dinosaures. Alors, on y va. Ça va être comme Gaston Lagaffe, mais avec des dinosaures qui nous courent aux fesses. Trop bien.
arrivés devant l'attraction et voici comment ça a évolué depuis l'inauguration. Ça a bien changé. Vous voyez, les dinosaures font du bruit. Il y a plein de... En fait, ils ont fait... Ah oui, ils faisaient du bruit, bah, je ne les avais pas entendus. Bah voilà, bah, ils font toujours du bruit alors. Et là, ils ont mis toute une thématique. Voilà, ils ont mis des rochers et ils ont camouflé tous les supports sur lesquels étaient les dinosaures. Donc ça, c'est cool. Belle évolution du parc. Alors, je peux le noter parce que franchement, c'était pas gagné. Hein. Et aussi, on est déjà en train de se mesurer pour faire le Mesozoic Island. Et elle fait la taille. Tu peux tout faire. Et oui, c'est ce qui est bien dans ce parc. À partir d'un mètre, on peut tout faire. Voici un petit tricératops. Il mange quoi, lui? Il va manger Corentin. Ah non, il est herbivore. Ah non, trop nul. Et puis là-bas, on a un, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et d'ailleurs, vous pourrez voir que les décors ont vraiment changé. L'herbe commence à pousser. Ça commence à devenir vraiment joli. Hein. Franchement, ça commence à être pas mal. Hein. Et on fait la queue. Voilà, il y a plein de monde. Ce petit Mesozoic Island, alors il vous a plu ou pas? En fait, on se croirait dans Jurassic World. On se croirait vraiment dans Jurassic World, c'était trop bien. Il y a les T-Rex et tout. On est poursuivi par des dinosaures et tout, nous arrive plein d'histoires. Et puis en fait, c'est vachement réaliste, ça nous a trop plu. C'était trop bien. Alors maintenant, on va peut-être manger un petit bout, parce qu'il commence à se faire tard. Et puis on fera les attractions qu'on n'a pas faites. Les fleurs et les palmiers. Allez, oui, on va manger un petit bout. Oui, mangez. Du jambon? Oui! Bon, on verra si on trouve ça. Des hamburgers avec des poissons comme Marsu. Peut-être? Ah, peut-être du poisson comme Marsu. Avec les arêtes et les arêtes. C'est l'heure du repas. Donc là, on est le soir. Le parc va bientôt fermer. Là, on mange des bons burgers. Apparemment, il a l'air bon, ton burger. Il est bon. Océane, il est bon? Par contre, il n'y a pas de tomates dans le mien. Il n'y a pas de tomate, bah non, parce que toi t'as pris un petit cheeseburger, Quentin, une tomate, parce que lui il a pris un grand cheeseburger. Moi, alors pour papa, bah c'est une salade avec des frites. Oh, papa mange une salade. Ça j'aime peu. Et maman va bah aussi une salade. Bon, bah bon appétit les loulous. Merci. Bon appétit. C'est bien, on mange bon juste à côté de l'attraction qui est super, moi j'adore celle-là. Fantasio Rodeo. On a rencontré des abonnés et en plus de ça qui sont youtubeuses. Vous pouvez dire ce que c'est votre chaîne YouTube? Le petit monde d'Airene et Lou. Alors on vous mettra dans la description. Alors elle est super leur chaîne, on est abonnés. Et puis elle a fait aussi une vidéo sur le parc Spirou il n'y a pas très longtemps que ça, qui est super bien faite. Ce sont des petites journalistes en herbe. Moi j'ai adoré. Et vous aimez bien le parc Spirou? Oui. Et vous habitez la région ou pas? Oui, à Aubignan. Ah, Aubigna. Ah, je connais bien moi là-bas. Alors, est-ce que vous êtes amusé aujourd'hui? Oui. C'était bien? Oui. Vous avez tout fait? Oui. Eh ben pas nous. Moi, j'ai juste pas fait le grand là. T'as pas fait le grand? Moi, je fais que Speed Jumper et les tulipes. Tu n'as pas fait Speed Jumper et les tulipes? Si, j'ai fait. Ah, si, tu as fait. J'ai que ça. T'as fait que ça? Oui, quand même. Pourquoi? T'as eu peur des autres? Oui. Quelle est votre attraction préférée, les filles? Lucky Luke, Zombie Lenium. Lucky Luke et Zombie Lenium. Et toi, Corentin? Mésozoïque. C'est oui. Ça? Et toi? Toi, je crois que c'est la voiture. La grande voiture. Le Spirou Racing, ouais. Je sais, bah, moi aussi, c'est ma préférée avec le Mésozoïque aussi. J'aime bien. Alors, les amis, nous, on va vous laisser. C'est la fin de la vidéo. Bah, on peut peut-être faire la fin de la vidéo ensemble si vous voulez. Vous voulez? Oui. Ouais? Allez, venez les loulous, vous venez avec les filles à faire la fin de la vidéo? Alors les loulous, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire d'en haut. Dans les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à mettre plein de quoi? Des pouces vers le haut. Des pouces vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et puis aussi, bah, dites-nous dans les commentaires quelle est votre attraction préférée, ça nous intéresse. Et si vous êtes déjà venu à Spirou? Oui. Et en attendant la prochaine vidéo, bah du coup, on vous fait des gros bisous. Bisous, bisous, les amis. Ciao, ciao. Ciao, les filles.